Bon, détachez-le. Quoi? T'as bien entendu. Vous savez de quoi il est capable, lui? C'est pour le voir que je suis là. Virez ses menottes. C'est bon. C'est pourquoi ça? Un casting de pom-pom girl? Ouais, bon, allez, fais-nous une démo. Pareil que t'as jamais raté ta cible. Prouve-le. Ok, t'en as une de chambrée. Maintenant, t'en fais quoi? Donnez l'ordre, chef, et je dégomme. S'il vous plaît, on se calme. Griggs, dis à tes hommes de baisser leur arme. Allez, vas-y, donne l'ordre. Baissez votre arme. Mon colonel, je signale que c'est exactement ça que j'appréhendais. On mange quoi, soir? Ames, si ce type me descend, je veux que vous le butiez. Et que vous effaciez l'historique de mon navigateur. Ok. Il y a le percuteur qui a été limé, hein? Il y a plein de fausses cartouches dans le chargeur, si j'appuie sur la détente, il n'y a rien qui se passe. Oui, c'est absolument ça. Au nom de quoi on donnerait une arme chargée à un tueur patenté? Eh bien, allez-y, tirez. Videz le chargeur. Non, tu vas rien vider du tout, tu la connais même pas, cette bonne femme. Moi, ça fait genre 9 mois que je te connais. Tu te souviens quand je t'ai apporté un cookie? C'était un vrai cookie. Oh, non, mais... Oups. Oh. Faut que vous soyez dingue, bande de bouffons. Maintenant que vous savez ce que vous achetez, je vais vous donner le prix. 1. Je veux me barrer d'ici. 2. Je veux la garde exclusive de ma fille. D'accord? Sa mère pourra avoir des visites encadrées, mais son mec qui pue du cul, il reste dehors. Putain, Darnell, il reste dehors. Darnell, hors jeu. Il est hors jeu. 3. Vous allez raquer pour toute la scolarité de ma fille, les meilleurs lycées. Et je veux qu'elle pousse ses études de genre à Harvard. Ou à Yale. Une du top 8. C'est ça. Une des grandes facs de balèze, là. Et si elle est larguée? Enfin, si ces notes décrochent, vous allez me bidouiller ça comme pour les petits blancs. Tu vois de quoi je parle? Carrément. Compris? Bon, alors, pour mon prix, c'est réglé. Mais ce qui m'inquiète, c'est que tes gars, là, ils prennent que dalle en notes. T'es pas en position de parlementer. Ah! Oh, pardon, tu croyais que c'était à toi que je causais? Mais non, petit larbin. Je parlais à ta patronne. Voilà pour mon prix, chérie. À bon entendeur. Vous avez remarqué que c'est des criminels? Des tordus, asociaux et schizos, c'est absurdissime. Si je pioche dans les unités d'élite, je vous monte une équipe de chiens de guerre qui fera tout ce qui vous passera par la tête. Enfin, il vous faut des vrais soldats, pas des racleurs de bidets! Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, notre marine a obtenu de la mafia qu'elle veille sur ses bateaux dans les ports. C'est pas la Deuxième Guerre mondiale. Non, c'est la Troisième. Vous mijotez quoi au juste? C'est confidentiel. Tout ce que j'ai à vous confier, c'est que vous êtes sous mes ordres. Suffit d'un coup de fil pour changer ça. Moi aussi, j'ai des relations. Ne vous gênez pas, appelez. Mais sans vous pour la couver, votre Dulcinée restera ici dans un coma artificiel sanglé à une planche. Ouais, on m'avait dit de faire gaffe à vous. Con comme je suis, j'ai pas cru à toutes ces histoires.